Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Géotopo, troisième vidéo d'une série consacrée aux différents réglages que vous pouvez faire vous-même sur vos stations totales. Donc pour rappel, dans la première vidéo de cette série, je vous expliquais comment bien régler les nivelles de vos cannes. Dans la deuxième vidéo, on parlait de réglage de plomb optique. Dans cette troisième vidéo, on va parler des collimations de vos stations totales, donc comment régler les collimations de votre appareil. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les collimations? C'est en fait un défaut de perpendicularité entre l'axe horizontal et l'axe vertical, une très légère erreur en fait. Comme votre appareil n'est pas comme moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas parfaitement parfait, et bien en fait, à chacune de vos mesures, une petite erreur va s'appliquer et va légèrement décaler votre visée par rapport à votre cible. Par contre, pour des raisons évidentes de symétrie, lorsque vous allez effectuer un double retournement, cette erreur va s'appliquer entre guillemets à l'opposé sur la phase 2, et donc la moyenne des deux visées va éliminer ces erreurs de collimation. Voilà, je vous fais un petit schéma pour vous expliquer. Donc en fait, quand vous allez viser votre cible, ici, en réalité, le point que vous allez mesurer ne sera pas pile au centre, mais avec les légères erreurs de collimation, votre point va se retrouver légèrement décalé. Et si vous faites un double retournement, votre point va se retrouver de l'autre côté. Donc vous allez avoir votre point en face A, ici, et le point en face B, ici. Et donc quand vous allez moyenner ces deux points, vous allez vous retrouver bien au centre et éliminer toutes les erreurs de collimation. Donc en réalité, l'erreur de collimation, elle est là. Donc le fait de calculer et de connaître en fait cette erreur de collimation va vous permettre d'améliorer vos mesures que vous allez faire sur une seule face, puisque vous allez pouvoir corriger cette erreur de collimation de manière électronique. Alors maintenant, comment réaliser ces collimations? La première des choses, ça sera de vous placer une cible à une centaine de mètres à peu près de votre appareil, en essayant de la garder à peu près à l'horizontale par rapport à votre appareil. Donc vous restez dans votre angle horizontal entre 95 et 105 grades. Donc vous démarrez ensuite votre appareil, vous le bullez précisément, et une fois que votre appareil est prêt, vous allez aller dans réglage sur le petit écran de la station, dans réglage et dans collimation angle horizontal, angle vertical. Vous réaliserez ensuite 2 à 3 observations sur la première face, un changement de cercle, puis à nouveau 2 à 3 observations sur la deuxième face. L'appareil va vous afficher donc les résultats obtenus. Là, ce que je vous conseille, c'est de noter ces résultats sans les stocker pour l'instant, de recommencer l'opération et de vérifier que vous obtenez à nouveau les mêmes résultats, et à ce moment-là, vous pourrez les stocker. À noter qu'à la fin de l'opération, l'appareil vous proposera également de régler les tourillons. Donc ça, je ne vous conseille pas forcément de le faire directement sur le terrain, puisqu'en fait, il faut pouvoir viser un point soit en hauteur, soit vers le bas, à une longue distance. Donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément la possibilité de trouver facilement en fait, sur le terrain. Donc en règle générale, les tourillons, on les règle directement en atelier. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura été utile. C'était Nicolas, Géotopo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Topo.